Bonjour. Magui de Bloch m'a demandé de parler avec mon président Vladimir Poutine et celui-ci m'a envoyé faire communication officielle. Le message, tu as le choix entre 15 jours à la maison ou bien 5 ans en prison. En d'autres termes, en russe, on pourrait dire demeure à barak ou bien goulag. Hey, demeure ad barak ou bien goulak. Hey, demeure ad barak ou bien goulak. Hey, demeure ad barak ou bien goulak. Hey, ad barak ou bien goulak. Un empereur règne sans partage dans son pays. Un jour, il apprend qu'un homme est capable de parler au vent, de parler aux étoiles, de parler, de comprendre le langage des oiseaux. Voyant une rivalité possible, l'empereur convoque cet homme chez lui. Il lui pose la question suivante. Est-ce vrai que tu peux parler aux étoiles? Oui, lui répond l'homme. Est-ce vrai que tu comprends le langage de la mer? Oui, en effet, Majesté. Est-ce vrai que tu peux deviner les pensées de chacun? Oui, Majesté. Très bien. Je vais te proposer quelque chose. Dans mes mains, il y a un oiseau. Peux-tu me dire si cet oiseau est mort ou vivant? L'homme réfléchit et dit en lui-même, si jamais je dis qu'il est vivant, l'empereur pourrait le tuer. Si je dis qu'il est mort, l'empereur pourrait ouvrir ses mains et l'oiseau s'envoler. Alors, j'attends ta réponse, dit l'empereur. Et l'homme réfléchit, puis lui dit, Majesté, la réponse est entre vos mains. Et n'oubliez pas, reste à barak ou bien goulag.